Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Souvenir. Là, je fais qu'une vidéo à refaire, donc oui, selon W Réseau Souvenir, anciennement cinéphile, m'a proposé à plusieurs reprises de faire que je dois refaire les vidéos correctement. Donc pour ça, ben, je vais vite faire, comme ça. Comme ça, vous allez peut-être comprendre. Donc, c'est pour ça que j'ai fait un genre de petit classement proposé par Cinéphile et que je vais vite m'attaquer tout de suite. Exactement. Donc, tout d'abord. Ouais, ce sont les Wrestle Kingdom de 1, 2 et 3. Donc, celui-là, ça vient de 2009, 2008, 2007. Donc, 1, 2 et 3. Toujours au Tokyo Dome. Donc voilà, vous savez qu'ils sont, on va dire, en un DVD. Et que là, on voit tous les grosses têtes d'affiche. Nakamura, Tanahashi, Yuji Nagata, Masahiro Chono, Joshin Thunder Liger. J'ai même découvert Tiger Mask. Mais il faut savoir que des fois, le premier DVD de Wrestle Kingdom, il ne marche pas toujours. Et je sais pas si j'avais déjà dit dans une vidéo, mais celui-là, il marche un petit peu à peine. Donc j'ai pas eu la chance d'avoir un qui marche correctement, mais voilà, c'est pas grave du fait que j'ai tout vu. Et là, on voit les photos. Il y avait des petits bonus comme quoi il y avait des matchs de MMA, mais malheureusement, j'ai jamais eu la chance de regarder vu comment c'était. Allez, truc payant. On dirait un plat de promo payant, mais je ne sais pas comment vous dire. Et les commentaires, bien sûr, ils sont en version française. Salian Varini et Antoine Simon. Donc celui qui faisait des combats de. Enfin, qui commentait les combats de MMA. Donc au moins vous saviez. Voilà, donc la toute première édition de Wrestle Kingdom. Et c'était le 4 du 1er janvier 2007, donc le 4 janvier 2007. À l'époque, c'était toujours le 4 janvier, et d'ailleurs je crois qu'à l'heure actuelle c'est toujours le cas. Donc au moins vous avez compris, et je vais m'attaquer sur le premier match. Donc là, c'est New Year's Funny Waltz. Donc voilà, Masanobu Fuchi, Rizuke Taguchi et El Samurai contre ouais, El Samurai contre Nobutaka Aria, Kikutaro et Akira Raiji. Ouais. Donc voilà, c'était un match à 6. Donc la plupart des spécialités maintenant. Maintenant, vous savez bien qu'à la New Japan, si vous suiviez bien, bien sûr également, eh ben, ils font, on va dire, des matchs par équipe où il y a les ceintures Never Open Weight, donc un match trios, et que maintenant la EW fait exactement pareil, donc match par équipe de trios, donc c'est assez sympa à regarder. Il s'est passé de tout, vous savez que dans les matchs comme ça, ils misent beaucoup plus sur le strong style. Beaucoup plus ce strong style, le côté spectaculaire, le côté lucha libre. Donc il y a tous les facettes. Et que sans trop de précipitation, eh ben, c'est Masanobu Fuji, Rizuke Taguchi et El Samurai qui ont battu Akira Raijin, Kikutaro et Nobutaka Arya. Et ce match-là, oui, parce que j'ai mon téléphone avec moi pour voir combien de notes globales j'avais mis. Je lui avais mis un 3,5. Donc voilà, ça vous laisse présager. Maintenant, deux Artistic Tag Team Battle. Ah, d'accord. Donc, Jado et Gedo contre Nosawa Ranjay et Masada. Exactement. Et en plus, l'équipe de Nosawa et Masada, c'était Tokyo Garentai. L'équipe de Tokyo Garentai, d'accord.
Vous savez bien que, sans trop, on va dire, m'attarder dessus, vous savez bien qu'il y a beaucoup de changements et qu'il y a beaucoup de prises spectaculaires, le côté spectaculaire, et que la foule réagit bien aux attaques des deux équipes, que ce soit en 1v1 ou du 4 contre 1. Même si les foules japonaises sont des gens respectueux, donc oui, on les entend pas, ils sont attentivement assis devant leur chaise et devant un tel spectacle, bien sûr. Il y en a qui sont debout, il y en a qui sont beaucoup plus assis, et du coup, ben, c'est Jado et Gedo qui battent Tokyo Gerintai. Voilà, ce match-là, combien je lui avais mis? Un 3,20. J'avais mis un 3,20. Donc c'était ça maintenant. Troisième. Ouais, excusez-moi si vous entendez, si vous voyez mal à cause de l'éclairage du téléphone. Parce que j'ai pris un autre téléphone. Peut-être que la qualité est peut-être pas top, mais vous m'aurez compris. Rocking you heart of effixing Outlast. Alors. GBH. Donc Toji Makabe, Tomohiro Ishii et Toru Yano contre Buchanan, D'Lo Brown et Travis Tomko. Donc à la Blood Blue, il se faisait appeler Tyson Tomko. Et à la TNA, il se faisait que appeler Tomko et un peu Travis Tomko aussi. Donc c'est encore victoire de l'équipe que j'ai citée en premier. Donc JBH. Voilà, ça vous laisse l'idée. Ouais, vous saviez, beaucoup de changements et beaucoup de prises stiff. Car c'est vrai que la plupart des coups sont assez violents. Que ce soit les atémis, des prises qu'on reçoit. Et des fois, les matchs peuvent durer quasiment presque 1 heure, hein, vu comment ça continue et que la plupart ne lâchent pas l'affaire. Et beaucoup de techniques, hein. Sachez, il y a beaucoup de techniques. Donc. Ce match-là, je lui avais mis aussi un 3,20. De manière étrange. Quatrième dimension 0. Donc Giant Bernard, Toru et Suwama, donc catcheur de la All Japan Pro Wrestling, qui s'associe avec une équipe de la New Japan. Avec Rose. Enfin, ROZ. On va appeler ça comme ça. Contre. Contre Manabu Nakanishi, Naofumi, Yamamoto, Rikishi Sou et Takashi Iizuka. Et que l'équipe que j'ai citée en premier, j'avais complètement oublié, c'était Voodoo Murdes. Ouais, on va appeler ça comme ça. Et pareil, encore un match par équipe où c'est l'équipe que j'ai citée en premier gagne. Et non, ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une blague. Et peut-être que j'ai un petit peu oublié ce qu'il y avait dans le match, parce qu'il faut dire, il y a un petit peu moment que je n'ai plus regardé, mais c'est pas grave. Donc ce match-là, encore un 3,20. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ensuite. Koji Kanemoto, Tiger Mask, Kazashi, Takamishinoku et Wataru Inoue. Ouais. Donc contre Jushin Thunder Liger, Milano Collection AT et Minoru. Donc on va dire partie des. Ouais, Jushin Kodo et Brother Yashi. Donc à mon avis, Jushin Kodo et Kodo Yashi faisaient partie de Voodoo Mordes. Donc frère Yashi. Ah, Brother Yashi, donc frère Yashi, d'accord. Ouais, pareil, la plupart que j'avais cité de toute façon, il y en a que je me suis pas trompé. Donc je vous le garantis, il y en a que je me suis pas trompé. Et que il s'est passé tout et c'était un match de dingue. Donc ça, je me rappelle bien qu'il était ultra
ultra dynamique. Et que c'est pas un match à élimination, malheureusement, même si c'est 5 top of the world, Hard of War. Donc voilà, ça vous laisse idée de quoi il s'agit. Donc les meilleurs arts de guerre de top 5, on peut appeler ça comme ça. Et que c'est l'équipe que j'ai citée, donc l'équipe de Kazashi, Koji, Kanemoto, Taka Michinoku, Tiger Mask, Wataru Inoue. Et City U, c'était une équipe composée de Jushin Thunder Liger. Ah, purée, d'accord. City U. D'accord. Mais bon, vous avez compris. Dangerous Raptitude. Donc, Toshiaki Kawada contre Shinsuke Nakamura. Pareil, c'est encore le premier que j'ai cité. Et que je pensais que ce serait une victoire de Shinsuke Nakamura, vu comment il avait quand même pas mal tout pour réussir après son passage. Allez, qu'il arrive à capturer un titre mondial en 2003, même si c'est en 2002 qu'il fait ses débuts dans le catch. Mais qu'il montre qu'il est beaucoup plus performant que la plupart des autres catcheurs. Donc peut-être que j'aurais misé sur lui, mais malheureusement. Trop peu, et vraiment trop peu. Pourtant, j'aurais bien voulu que ce soit lui. Donc, je crois que je m'étais trompé quand j'ai fait cette review que j'avais fait. Donc, c'est Toshiaki Kawada qui bat Shinsuke Nakamura. Et ce match-là, 3,40. Et par contre, l'autre équipe que j'ai citée, c'est 3,5. Que j'ai. Ouais, voilà. Comme ça, je corrige mes erreurs. Ensuite, Minoru Suzuki contre Yuji Nagata. Triple Crown. Ouais, pour le. Je pense que c'était pour le titre Triple Crown. Exactement. Exactement. La plupart des autres matchs, j'avais complètement oublié de citer. Mais bon, vous avez peut-être compris. Mais là, j'ai pas oublié. Donc, c'était pour le championnat Triple Crown de la AJPW. Donc, All Japan Pro Wrestling. Au moins, vous saviez, vu comment je veux pas, on va dire, louper une miette. Eh bien, un match très stiff, pareil avec le Nakamura Toshiaki Kawada. Beaucoup très stiff, dynamique, technique, beaucoup de soumission. Et à la fin, on se dit, mais qui va pouvoir lâcher? Vraiment, qui va lâcher en premier? Et Yuji Nagata, il a fort l'habitude de, on va dire, de faire une soumission tout en tournant ses yeux, à la manière de l'Undertaker, bien sûr. Et que malgré tout, c'est Minoru Suzuki qui prend l'avantage et qui va pas se laisser, on va dire, très très indéterminé par Yuji Nagata. Et que il le met KO à plusieurs reprises, Yuji Nagata, Minoru Suzuki. Donc oui, c'est lui qui met KO Yuji Nagata, pardon. Pardon, excusez-moi. Et du coup, bah, l'arbitre, bah, il déclare vainqueur Minoru Suzuki. Et du coup, ben c'est par arrêt de l'arbitre. Et voilà, ce match-là, je lui avais mis un 3,50. Ah ouais! Ah ben, surprenant. Ensuite, Hiroshi Tanahashi contre Taiyo Kiei pour le championnat IWGP. Donc pour le championnat du monde poids lourd de la IWGP. International Wrestling Grand Prix, si vous saviez. Eh bien, celui-là, c'était le. Ça aurait pu être le clou du spectacle. Mais malheureusement, ce n'est pas le clou du spectacle. J'allais dire que c'était le clou du spectacle, mais non. Donc, vu comment. Ils ont fort l'habitude de mettre champion du monde en main event. Parce que c'est vrai que ça dépend. La plupart des titres et factions qu'on met dans le main event. Mais là, celui-là, ça aurait pu être le main event. Mais que ce match était bon. Pas mal d'explosivité. Et qu'on nous montre une sacrée performance. Et que vous savez que Hiroshi Tanahashi, vu comment je l'ai dit plusieurs fois, que c'est le John Cena au Japon. Pour ce côté face ultime, qui n'abandonne jamais, même s'il a déjà abandonné plusieurs fois. Donc c'est vrai que, à l'inverse de John Cena, c'est vrai qu'il abandonne que John Cena. Et que John Cena, lui, n'a jamais abandonné, si ce n'est qu'une fois dans sa carrière lorsqu'il était encore débutant, mais que là il était au top Tanahashi. Encore aujourd'hui, je le trouve un petit peu rouillé, même si
Il aurait pu être au top physiquement, mais vous voyez, avec l'âge, on est rouillé, quoi. Et du coup, ben, c'est Hiroshi Tanahashi qui bat Taiyo Kiei. Donc, il conserve son titre. Et ce match-là, je lui avais mis un 3,60. Ouais, à 3,60. J'ai failli me tromper. Ensuite, le main event. Super Dream Tag Team match. Donc, The Great Muta Kajimoto, même si c'est pas encore en mode Great Muta, mais je le mets quand même dans sa personnalité. Avec Masahiro Chono contre Tennozzo-Z. Donc, une équipe composée de Hiroyoshi Tenzan et Satoshi Kojima. Donc, c'est eux qui clôturent le main event. Et qu'il y avait beaucoup de near fall. Beaucoup de near fall. Et que ils nous tentent des choses. Ils essayent d'épater leur monde. Ils auront réussi avec succès. Vu comment c'était stressif. Même si c'est vrai que ça a un petit peu enlevé du charme de laisser, on va dire, voler le main event à Tanahashi et Taiyo Kiei. Mais bon, ça, on va pas leur en vouloir. Et que c'est rare que la New Japan Pro Wrestling a déçu ses fans. C'est rare. C'est un peu comme la WWE. Un temps, ils avaient déçu leurs fans. Et après, ils ont récupéré leurs fans, quoi. Donc, au moins, vous aurez compris. Et du coup, ben, c'est victoire de Keiji Muto et Masahiro Chono. Et ce match-là, je lui avais mis un 3,40. Donc, celui-là, j'en ai fini avec Wrestle Kingdom 1. Et maintenant, je passe à Wrestle Kingdom 2. On voit les catcheurs de la TNA cette fois-ci. Donc, Kurt Angle, Christopher Daniels. Et après, les catcheurs japonais. Jen Bernard. Et la plupart d'autres. Que j'ai un petit peu oublié. Je crois qu'il y en a un qui s'appelle. Minoru et. Toru Yano, je crois. Ouais. Donc je crois que c'est lui. Et du coup. Donc celui-là, c'est un an après. Toujours le 4 janvier 2008. Donc c'est toujours un 4 janvier. Et là, c'est en 2008. Toujours au Tokyo Dome. Donc ça change pas. Et là, vu comment j'avais cité Célian Varini et. Je sais plus si j'ai. Ah ouais. Antoine Simon, et là maintenant c'est Célian Varini et Sylvain Garvalec. Donc si vous connaissez pas Sylvain Garvalec, sachez que à un temps il commentait du catch, que ce soit pour le magazine ou pour la WWE de temps en temps. Ça je me rappelle très bien quand Philippe Chéreau n'était pas là, ben, des fois c'était lui qui commentait. Vu comment Marc Chavez il commentait toujours pour Impact. Mais maintenant, ça va, il commente pour la WWE. Et voilà, vous avez au moins compris. Ouais. Donc, je vais aller droit au but. Donc, NJPW versus TNA. This is War. Donc, ça, c'est la guerre. Non-Stop Rising. Donc, tout d'abord. AJ Styles, Christian Cage et Petey Williams contre Rise. Ouais, contre l'équipe de The Rise. Et dans l'équipe The Rise, il y avait Prince David, donc a.k.a. Finn Balor, avec Milano Collection AT et Minoru. Donc voilà. Sympa ce match d'ouverture, vraiment sympa. Donc il nous montre une sacrée performance en match d'ouverture, et que AJ Styles va étonner son monde devant le sol japonais. Christian Cage, vu comment c'est la première fois qu'il participe à un show au Japon, il se doit de faire de son possible pour que ça soit le bon catch. Et Petey Williams, je crois qu'il avait déjà catché ailleurs, mais en tout cas, il impressionne aussi son monde. Et pareil pour les catcheurs nippons et internationaux comme Prince David. Et qu'il vous nous montrait du beau catch jusqu'à ce que AJ Styles, à la fin, il fait un Styles Clash sur. Je crois c'est sur Minoru ou Milano Collection AT. Ouais, donc.
il bat, on va dire, avec un Styles Clash et il remporte la victoire à son équipe. Donc, c'est victoire Christian Cage, AJ Styles et Petty Williams. Et ce match-là, je lui avais mis un 3,40. Voilà. Ensuite, Wataru Inoue contre Christopher Daniels. Pareil, là c'était pour le titre junior de la IWGP et que c'était plutôt pas mal. Donc pour l'instant, je vais un petit peu m'hydrater. Faut que je reprends mon souffle. Et bien ce match aussi était très bon. Et que même Christopher Daniels a failli remporter le titre, mais. Mais comme quoi, il a beau tenter, et que vu comment en Amérique on sait divertir le public, sauf qu'au Japon, c'est un peu différent, vu comment la foule japonaise est très calme, ça vous saviez, et qu'il ne faut pas trop, on va dire, s'attendre qu'ils réagissent à tout et de rien, car c'est quasiment presque impossible. Et qu'ils vont nous livrer des prises faramineuses. Par exemple, Christopher Daniels voulait sortir ses ailes de l'ange, mais finalement c'est Wataru Inoue qui arrive à le surprendre avec sa prise finish que j'ai malheureusement oubliée. Et du coup, ce match-là, je lui avais mis un 3,5. Donc oui, c'est victoire de Wataru Inoue, exactement. Ensuite, Japanese Muscle Monster contre The American Monster. Donc le monstre musclé japonais contre... le fou américain monstrueux. Donc, à la personne du monstre Abyss et de Nakanishi, pardon. Je crois qu'on l'appelait Masabu Nakanishi. Ouais, donc je me rappelle qu'ils sont battus dans le ring comme à l'extérieur et qu'ils ont ramené des objets et que Nakanishi a ramené des punaises ou alors c'est Abyss. Et ben, du coup, ben. Ils vont se jeter dans les punaises et du coup ben, c'est Abyss qui subit le coup des punaises et qui leur a même dans les mains. Oh là là, ça doit être difficile de continuer avec des punaises dans les mains. Et que ils ont, on va dire, tenté un petit peu du pire, même si c'est loin d'être le pire parfait. Mais que à la fin, je pensais que ce serait Abyss qui remporterait face à Manabu Nakanishi, et finalement ben, c'est Manabu Nakanishi qui bat Abyss. Et je n'exagère pas, c'est la vérité. Donc ce match-là, 3,5. Voilà. Ensuite, For New Japan versus Islands Ground Zero. Ah ouais, qu'il y avait même la fédération Zero One ouais, qui combattait. Donc ils étaient invités par la New Japan. Vous voyez, un peu comme la NOAH, la AGPW, la DDT Pro Wrestling. Ouais, si vous savez pas de quoi je parle, ben, la plupart je les avais déjà comme ça. Donc c'est ça la DDT. Des fois ça peut arriver qu'ils viennent catcher là-bas, la New Japan. Et que du coup, ben, on va dire c'est interpromotionnel. Donc, les vainqueurs. Enfin. Je ne vais pas dire les vainqueurs parce qu'après, sinon je me trompe. Donc, comme catcheur, il y avait Masato Tanaka, Tatsu Ito, Yutaka Yoshi et Katsushi Takemura. Et l'équipe adverse. Takashi Iizuka, Koji. Kanemoto, Tiger Mask et Rizuke Taguchi. Donc voilà, j'ai cité la plupart des noms. C'est encore l'équipe que j'ai citée en premier qui batte ce que j'ai cité maintenant. Donc ouais, je sais. Mais le match était plutôt bon, hein. Il était plutôt bon. Et ce match-là, je lui avais mis un 3,40 vu comment c'était assez stiff. Beaucoup des prises aériennes et beaucoup de strong style aussi, vu comment c'est un sacré dilemme de voir comment ces hommes sont prêts à se foutre sous la gueule. Et que voilà. Donc j'ai assez dit. Maintenant. Brother Divon, donc la team 3D.
contre, on va dire, JBH, donc Toji Makabe, Toru Yano, accompagné par Tomoaki Oma et Tomohiro Ishii. Donc ils étaient accompagnés. Et c'était un match hardcore, bien sûr. Donc, get the table, get high guest, hardcore match. Donc, donnez-nous les tables. Et voilà, etc., etc. Et que, vu comment la team 3D représente à eux seuls la TNA, et que je sais qu'ils ont déjà été champions à la New Japan, notamment le titre IWGP par équipe du côté de mon poids lourd. Et que là, ils nous livrent une bataille épique en nous donnant que des prises de risques, notamment avec des tables. Et aussi que des frappes de connards. Hein. Il n'y a pas à dire. Il y en a qui nous sortent des frappes de fils de chouin, que j'aimerais bien dire. Même s'il y en a qui vont peut-être pas comprendre. Et qu'à la fin, si je crois bien, Brother Ray et Brother Devon font passer à travers une table. Je crois que c'est Toru Yano ou Toji Makabe qui passe à travers une table. Et du coup, c'est victoire de la team 3D. Et ce match-là, je lui ai mis un 3,40. Voilà. Ensuite, The Legends. The Legend. Donc, Tatsumi. Attendez. Six One Night Stand. Legend versus VBH. Donc, Legend, c'était Tatsumi Fujinami, Rikishi Ōsu, Masahiro Chono et Jushin Thunder Liger. Avec Akira. Voilà. Contre VBH. Voilà, c'est comme j'ai dit. Brother Yashi, donc frère Yashi, Jado et Gedo, Jushin Kondo et Taru. Voilà, au moins vous saviez ce que j'ai dit. Eh ben pareil, c'est encore l'équipe que j'ai citée. Et que, vu comment j'avais déjà dit qu'il se passe de tout dans ces DVD, et qu'il faut voir pour comprendre, il faut avoir tout calculé. Et vu comment je vois que c'est hyper stiff, dynamique. Vu comment j'aime bien les choses comme ça, généralement, et que là, je lui ai mis un 3,20, vu comment c'est une équipe adverse. Mais bon, il y a des choses qui ne veulent rien dire, mais bon, vous avez enfin compris. Je crois que j'ai assez dit sur ça. Ensuite, cette génération of Chaos, donc la génération de Chaos, Kaiji Muto qui est en mode Great Muta cette fois-ci contre Hiroki Goto. Eh ben. Là, c'était un match simple, mais ils ont utilisé un petit peu du hardcore, enfin des petits objets. Vu comment je me rappelle que Hiroki Goto voulait à tout prix battre Great Muta. Et que c'est même là où que quand Hiroki Goto se jette dans les cordes et que Great Muta esquive et qu'il balance du Green Mist au visage, donc en le crachant de la bouche. Donc il l'aveugle et du coup ben, ça permet à Great Muta d'en terminer avec son Shining Weather. Et du coup ben, c'est victoire de Great Muta. Donc c'est victoire de Great Muta. Et ce match-là, je lui avais mis 3,40 exactement. Ensuite, The Giant Barnard, Travis Tomko contre Steiner Brothers, donc Rick Steiner et The Big Papa Pump, Scott Steiner. Et par contre, non, je n'ai pas marqué Barbara Pump, donc je crois que je vais supprimer ce Barbara Pump, alors que ça ne veut rien dire. Donc c'était IWGP Taylor, donc pour les titres IWGP. Vu comment ces équipes-là, qui combattent une célèbre équipe nommée les Steiner Brothers, eh ben, c'était plutôt pas mal, même si on sent que Rick Steiner, qu'il avait un peu arrêté le catch. C'est un petit peu, on va dire, bien éclaté, malgré qu'il n'avait plus le physique pour ça. À part Scott Steiner, qui est toujours très en forme. Et du coup, ben, face à une équipe de grande classe, même si, on va dire, c'est pas non plus de la grande classe, vu comment on sait bien que c'est tous les deux de grands tatoués punk, et qu'ils représentent à eux seuls le côté sombrissime du Japon. Donc c'est eux qui battent les Steiner Brothers, car oui, il faut pas leur couper l'herbe sous le pied. Et du coup, ce match-là, je lui avais mis un 3,20. Après, on arrive à la fin
de ça, donc il reste plus que deux. Et après, ça va encore continuer avec Wrestle Kingdom 3. Hein. Donc voilà. Final Resolution, Justice versus Real, IWGP Three Belt. Ouais, c'était pour le titre IWGP que Kurt Angle avait remporté face à Brock Lesnar lors de la Inoki Genome Federation. Ouais, donc une fédération qui n'a pas fonctionné pour Antonio Inoki et que Brock Lesnar décidait de donner son titre à Angle. Ouais, donc c'était un petit peu inexplicable à l'époque. Et que vous saviez, hein, je l'ai déjà noté dans Kurt Angle Champion. Et que maintenant je suis en train de le refaire de manière correcte. Vu comment on va dire ce sont deux wrestling machines. Oui, Yuji Nagata est un wrestling machine, comme Kurt Angle. Machine à catch, si on peut vulgariser ça. Eh bien, vous savez qu'ils vont nous sortir que du lourd. Et que c'est là où Yuji Nagata, ben, il fait encore son armbar. Ou, on va dire. Ouais, peut-être son armbar. Eh bien, c'est là où il étire encore ses yeux en blanc. Comme à la manière de l'Undertaker, ça vous savez bien. Mais malgré tout, ça va suffire à Kurt Angle de faire un ankle lock à Yuji Nagata. Et c'est là, je crois. Je crois qu'il abandonne par soumission ou alors ou il perd avec un angle slam. Moi, je crois qu'il abandonne suite à un ankle lock, hein, Yuji Nagata. Donc, du coup, c'est Kurt Angle qui bat Yuji Nagata. Et ce match-là, je lui avais mis un 4,5 vu comment c'était pas mal, vraiment pas mal. Et ensuite, le main event, le 10e match, donc pour le championnat du monde poids lourd de la IWGP, la seule. La réelle et unique. Donc Shinsuke Nakamura contre Hiroshi Tanahashi, que lui il était le champion. Eh bien il était lourd, hein. Ce match était vraiment du lourd. Et que je crois que c'est là où Shinsuke Nakamura se blesse au niveau de l'épaule ou du bras. Et moi ce qui m'impressionne, c'est les Long Lions. Ils sont toujours, on va dire, autour du ring, vu comment ce sont des jeunes catcheurs qui veulent apprendre du métier. J'avais reconnu qu'il y avait peut-être Kazushika Okada, Tetsuya Naito. Même si Tetsuya Naito va catcher. Pas dans ce show, mais il va catcher, on va dire, un petit peu plus tard, je crois. Et qu'il y avait même aussi Prince Devitt, donc Finn Balor, exactement. Et que je me rappelle des Dragon Screw, des Dragon Suplex, des kicks, des prises portées par Nakamura. Y a pas à dire, ils vont nous sortir des gros matchs, hein, ces deux-là. Et que c'est Shinsuke Nakamura qui bat Hiroshi Tanahashi. Je pense pas avec un Kinshasa. Je pense que c'est avec un genre de Fireman's Carry et qu'il fait tomber directement. Donc c'est victoire de Shinsuke Nakamura. Ce match-là, je lui avais mis un 4,50. Donc ouais, je lui avais mis ça. Et après, je me rappelle un coup qui remercie le public, un peu comme j'avais oublié de citer dans le premier Wrestle Kingdom. Quand tu fais le main event, tu dois toujours remercier le public d'avoir, on va dire, adoré le show, qu'ils ont pu vibrer, etc. Donc, il y a un côté respect dans leur culture. Et d'ailleurs, ça leur attache très bien. Et c'est là où Kurt Angle il interrompt Shinsuke Nakamura vu comment ils vont s'affronter. Pas dans le prochain Wrestle Kingdom, mais ils vont s'affronter dans un autre événement, peut-être. Donc, c'est là où Kurt Angle le défie et qu'il termine à la fin. It's real, it's damn real, car c'est la vérité, c'est la putain de vérité. Et du coup, ben, ça se termine là-dessus avec Nakamura qui remercie le public et qu'il est champion et qui repart avec les trophées, les titres, les prix, bref, magnifique. Donc ça se termine là-dessus, j'ai déjà noté. Et maintenant, vu comment j'ai déjà passé à Wrestle Kingdom 2, maintenant, Wrestle Kingdom 3, toujours en association avec la New Japan. Tout d'abord, je vais un petit peu couper la vidéo, vu comment je dois un petit peu m'hydrater, et que je dois, on va dire, voir.
si ils vont pas s'arrêter à un moment ou à un autre. Donc à tout de suite. Donc voilà, je suis de retour maintenant. Je vais enfin reprendre. Donc voilà, le Wrestle Kingdom 3, toujours en association avec la TNA. Et là, comme j'ai dit, là c'était le 4 janvier 2009, toujours au Tokyo Dome. Et qui a la liste des matchs. Par contre, il y a un match que j'ai jamais cité et qui figure pas dans ce DVD. Mais bon, vous allez peut-être comprendre. Tout d'abord, les commentateurs toujours Salian Varini, fidèle au poste, et Sylvain Gavalec. Donc voilà, vous savez maintenant qui c'est Sylvain Gavalec, vu comment j'ai parlé maintenant, on va dire, deux fois en vidéo. Ouais, vu comment celui que j'avais fait, il va être supprimé, tandis que celui-là, il va être rediffusé de manière correcte. Mais bon, je vais parler du premier match que j'ai jamais cité dans ce Wrestle Kingdom 3. Alors, il y a un match où il y a Milano Collection AT avec Minoru et Taishi Ishikari contre Kazushika Okada, Mitsu Hirazawa et Nobu Yoshihashi. Donc, un match à 6. Ça, j'ai jamais noté. Et que je comprends pas pourquoi il ne figure pas dans ce DVD. Peut-être qu'il fait partie dans les bonus que j'ai pas du tout remarqué. Mais bon, vous allez peut-être comprendre que là, à cette époque, Kazushika Okada, il était loin d'être la superstar au Japon qu'il allait devenir être. Et que c'est vraiment ironique de le voir à cette époque, on va dire sans rien, alors que maintenant, c'est le Ringmaker. Le Ringmaker, le God, le dieu au Japon. Et que là, malheureusement, vu comment il était encore à ses tout débuts dans le catch, eh ben, il perd avec son équipe, donc Mitsuhide Hirazawa, pardon, et Nobu Yoshihashi. Donc il perd, enfin, il perd tous les trois face à Milano Collection AT, Minoru et Taishi Ishikari. Donc voilà, ce match-là, j'ai jamais noté. Donc ce match-là, je mets 3,5. Voilà. Ensuite, là, un match que j'ai noté. Donc, The Wrestle Kingdom Grand Opening Viento Dorado. Ouais, donc la plus grosse ouverture pour Wrestle Kingdom 3. Et voilà, quoi. Donc, Prince David, Rizuke Taguchi. Enfin, avec Mystico, donc Prince David, Rizuke Taguchi et Mystico, contre Averano, Jado et Gedo. Et que ce soit, on va dire, l'équipe de Prince David et Rizuke Taguchi, faut savoir qu'ils ont formé l'équipe Apollo Gogo, on va dire Apollo 55 ou Apollo 55, si vous permettez. Et que là, ils fassent équipe avec un catcheur mexicain qui est Mystico. Et que je m'en rappelle bah, que des prises de fou, vraiment des prises de fou dans ce match-là. Et que. Si je ne me gourre pas, ouais, si je ne me gourre pas, c'est Mystico qui remporte à la fin le match avec la Mystica sur Averno, je crois. Ouais, qu'il est même présent dans le DVD. 3 heures de catch que je vais aussi refaire, donc vous inquiétez pas pour ça. Et du coup, ben, c'est victoire de Mystico, Rizuke Taguchi et Prince Fergal David. Voilà, et ce match-là, je lui avais mis un 3,20. Tiens, étonnant. Mais bon, je m'attendais pas à ça. Donc, Jushin Thunder Liger et Takuma Sano contre Koji Kanemoto et Wataru Inoue. Voilà, j'ai failli me perdre, mais là, c'est là. Jushin Thunder Liger. En plus, c'était les matchs pour ses 20 ans. 20 ans dans le catch. Donc, je comprends un petit peu qu'ils ont voulu un petit peu le rendre hommage pour le côté légendaire qu'il nous a donné à la New Japan. Et qu'il a aussi percé aux États-Unis, que ce soit au Mexique et à travers le monde. Donc, c'est vrai qu'il mérite le respect qu'il mérite, Jushin Liger. Et du coup, eh ben, Iba. L'équipe de Wataru Inoue et Koji Kanemoto avec Takuma Sano. Et ce match-là,
Je l'avais mis à 3,5 aussi. Tiens. Ensuite, les Motor City Machine Guns, Alex Soleil et Chris Sabin, pas besoin de les présenter, pardon, contre No Limit, donc équipe de Tetsuya Naito et Yujiro. Et c'était pour les matchs championnat par équipe des juniors. Ah là là. Peut-être que ça aurait pu une victoire des No Limit, mais vu comment les Motor City Machine Guns ont percé à la TNA et à travers la plupart des fédérations qui se sont passées, eh ben faut pas demander comment ils lâchent pas du tout l'affaire. Mais vraiment aucun du tout, ils ne lâchent l'affaire. Et du coup, ben, c'est victoire des Motor City Machine Guns. Avec que des prises de dingue, des fils à couper le beurre, des brises nuques à 15 splash, et le côté technique, agilité et aérien de No Limit. Mais malheureusement, ben, c'est Shelley Sabine qui bat No Limit, quoi. Et ce match-là. 3,40. Ah ouais, en plus il est explosif, hein. Donc faut pas demander que j'ai failli me gourer et passer à côté. Ouais, parce que des fois d'habitude je dis ouais, ils seront notés en description vu comment j'ai une fâcheuse tendance à un petit peu oublier, donc c'est vrai que ça m'arrive de temps en temps. Mais là, j'avais tout prévu. J'avais vraiment tout prévu. Ensuite, match IWGP, Junior Heavyweight, donc championnat, on va dire, poids moyen. Même si c'est Heavyweight, mais si vous préférez Cruiserweight, poids moyen. Mais bon, ça, c'était le côté junior. Oui, vu comment il fallait trouver un autre terme. Et du coup, c'est Tiger Mask contre Loki. Et que c'était lui le champion des juniors. Eh ben, avec Loki, il faut s'attendre aussi avec des gros matchs stiffs, hein, parce que c'est vrai que il tique bien fort, hein, et il frappe là où ça fait mal, hein, avec ses coups de pied. Donc y a pas à dire, il peut être considéré comme un moine Shaolin, Loki, vu comment il est très stiff, il est intense malgré qu'il a une mauvaise réputation. Mais ça va rien su faire face à Tiger Mask, vu comment c'était balistique interception. Et que c'est Tiger Mask qui bat Loki. Voilà. Je ne sais pas combien du nom, mais vu comment il y avait plusieurs prétendants qui avaient porté le masque. Mais autrement, honnêtement, je ne sais plus qui est qui, malheureusement, vu comment il y en a qui se ressemblent parfaitement. Pas tous. Pas tous. Mais bon, vous avez compris. Ce match-là, je lui avais mis un 3,5. Voilà. Ensuite, je passe encore. Donc, encore Legend. Alors, je vais citer. Fighting Holding Competition. Donc, Légende avec la Main Event Mafia. Donc, si j'ai bien résumé, Kurt Angle, Kevin Nash, les deux membres de la Main Event Mafia, avec les légendes, donc Rikishi Suzu et Masahiro Chono, contre JBH, Giant Bernard, Karl Anderson, la Machine Gun, la mitraillette si vous préférez, Takashi Iizuka et Tomohiro Ishii. Donc en gros, c'était un match par équipe de 8. Et en plus, je n'ai pas oublié. Hein. Si vous me connaissez bien, vu comment j'avais déjà cité récemment le 3 heures de catch deuxième version, pour moi c'est ma deuxième version, eh ben, c'est victoire de Légende et Main Event Mafia. Donc si vous ne savez pas qui c'est Masahiro Chono, Rikishi Suzu, Kevin Nash et Kurt Angle. Donc voilà. Ce match-là. Ouais, ce match-là, je lui avais mis combien? Je lui avais mis un 3,5. Voilà. Ensuite, Yuji Nakata contre Masato Tanaka. Match pour le championnat du monde poids lourd. Je crois que c'était pour Cruiserweight Justice. Je crois que c'était pour le titre de la Zero One. Ah ouais. Je pense que c'est ça. C'était pour le titre de la Zero One. Et que pour une fois que Yuji Nagata remportait un match,
Car c'est vrai, quand il perd un match, c'est vrai qu'on se dit que c'est pas le favori et que il est un peu soudé et rouillé. Mais là, il arrive à remporter un match et il arrive à faire soumettre Masato Tanaka avec son armbar, je crois. Donc il bat Masato Tanaka. Ce match-là, je lui ai mis un 3,10 parce qu'il y avait un petit peu de botch. Je me rappelle qu'il y avait un petit peu de botch, mais sinon c'était intense ce match. Mais bon, je regrette d'avoir noté une note aussi un peu pourrie, mais bon, qu'il y a un petit peu de botch, c'est vrai que ça fait piquer les yeux. Ensuite, New Japan versus Noah Battle Tendencies The Invasion. Donc l'invasion entre la Noah et la New Japan. Jun Akiyama contre Manabu Nakanishi. Ah ouais, donc celui qui avait affronté Abyss. C'était un match simple avec beaucoup de stivité. Donc ouais, c'est très stiff, très violent, brutal. Et vu comment les gars de la Noah, c'est vrai que ce sont des vrais bourrins. On dirait pas comme ça, mais si jamais vous catcherez au Japon, vous allez peut-être voir la différence entre le catch américain et le catch japonais. Vous allez peut-être en dire des nouvelles. Attendez, je crois qu'on m'appelle. Bref, je reprends parce que j'ai cru qu'on m'avait appelé. Eh ben, c'était pas mal stiff, très très dynamique et très, je vais pas dire agile, mais beaucoup de stivité. Donc, c'est victoire de Jun Akiyama. Et ce match-là, si je me trompe pas, je l'avais mis un 3,20. Voilà. Ensuite, la team 3D, donc Brother Ray, Brother Devon, je pense que c'est pas la peine de les présenter. Contre The Most Violent Players. Ah, contre les joueurs violents. Donc, équipe de composée de Toji Makabe et Toru Yano. Et c'était pour le match IWGP par équipe, dans un match hardcore. Donc là, eh ben, il y avait du hardcore, hein, ça c'est sûr. Hein. Des tables, et il y avait même aussi des chaises qui se cassent tout de suite. Kendo, les panneaux de circulation, serpillière. Il y avait quoi encore que j'ai peut-être un peu oublié de zapper. Un râpe à fromage. Surtout un râpe à fromage. Donc, je crois qu'un des membres de la team 3D va finir en sang. Peut-être Brother Ray. Et Toji Makabe, je crois aussi. Et ben, c'est encore la team 3D qui bat encore une équipe adverse. Et du coup, ben, voilà quoi. Je crois que j'ai assez corrigé mes erreurs. Et qui font passer à travers une table soit Toji Makabe ou Toru Yano. Et que ce match-là, 3,5 également. Voilà. Étonnant. Ensuite, Shinsuke Nakamura et Hiroki Goto contre Mitsuharu Misawa et Takashi Sugiura. Donc, deux catcheurs de la Noah. Et si je me trompe pas. Ouais, parce que je croyais que c'était The Rising. Enfin, à vérifier, quoi. Donc, c'était New Japan contre Noah Battle. Ouais. En counters. Tendency en counters. Ouais, que j'avais déjà dit que vu comment c'était des matchs par équipe basiques et que des fois ça peut être très violent ou un peu durer un minimum de temps. Et si vous savez pas. Normalement, c'est cette année où Mitsuharu Misawa meurt, je crois. Ouais, en fait, si vous connaissez pas l'histoire sur Mitsuharu Misawa, il devait combattre alors que sa santé mentale venait de se dégrader à cause des chocs qu'il a reçus durant toute sa carrière. Misawa, eh ben, un coup qu'il a fait, on va dire, une prise de trop. Qu'il a subi une prise de trop, eh ben, sa vie et sa carrière étaient terminées.
Et du coup, ben, j'avais vu une vidéo. D'abord, j'étais sur Wikipédia. Pourquoi est-il mort, Mitsuharu Misawa? En fait, c'est un des catcheurs qui avait fait, je crois, un genre de souplesse arrière, mais qui est tombé sous la tête. Donc là, c'est la commotion cérébrale de trop. Et du coup, ben, le match a dû être arrêté. Et dans l'arène, je m'en rappelle que Mitsuharu Misawa ne bougeait plus. Il ne bougeait vraiment plus. Et que du coup, ben, il a dû être transporté. Si vous ne me croyez pas, allez voir sur YouTube. Vous allez peut-être voir par vous-même. Et je vous jure, c'était assez choquant pour moi de voir ça. Car c'est le genre de choses que je n'aime pas voir. Et du coup, ben, apparemment, il a été déclaré mort à l'hôpital. Alors qu'il a failli tomber mort sous le ring. Et ça, c'est terrible. Là, heureusement, on va dire que qu'il a pas, on va dire, été tué par un criminel ou encore tué dans la vraie vie, parce que des choses dans la vraie vie, je n'aime pas du tout en parler, car c'est assez délicat. Mais là, on va dire, c'est un de ses collègues de la NOA, on va dire, qui lui a un petit peu ôté la vie. Donc j'espère que vous comprendrez ce que je veux en dire. Et du coup, ben, c'est regrettable, hein, c'est vraiment regrettable. Et que malgré tout, le match était très très bon et qu'ils vont nous sortir un très beau match. Et à la fin, c'est Shinsuke Nakamura et Hiroki Goto qui bat Misawa et Sugera. Et ce match-là, je lui avais mis un 4,5. Voilà. Ensuite, je passe au main event. Donc, Keiji Muto, il n'était pas encore en mode en Great Muta. Même si moi je l'appelle en complet The Great Muta Keiji Muto. Et là, ben, c'est Hiroshi Tanahashi qui est champion de la IWGP. Ah non, même pas, c'est pas lui, c'est Keiji Muto, oui. Qu'est-ce que je raconte? Ouais, donc c'était lui le champion. Et que là, c'est la finale. La finale et le main event. Vu comment il avait passé des tout. Shining Weather, Dragon Screw, bras à la volée, tentative de powerbomb, et aussi beaucoup de prises de risques de la part des deux hommes, et que ça a duré très très longtemps, on se demandait qui allait remporter ce foutu match, vraiment, qui allait remporter, et là, vu comment les deux ne voulaient pas lâcher, mais vraiment pas du tout, jusqu'à ce que un moment de faiblesse pour Keiji Muto. Eh ben, il se prend une grosse claque par Hiroshi Tanahashi. Et du coup, ben, il enchaîne avec un Dragon Suplex. Et il enchaîne avec ses High Fly Flow. Donc le Frog Splash. La première, la deuxième n'a pas passé. Mais la troisième et la quatrième, il va les enchaîner avec succès. Et il remporte le match. Et il remporte le titre. Et du coup, il remporte avec les trophées, les titres, les grands prix. Et du coup, ben, c'est lui le vainqueur en tant que champion. Et ce match-là, je lui ai mis un 4,40. Voilà. Donc, c'est tout dit. Et que j'en ai fini avec les Wrestle Kingdom. Donc, c'est déjà la fin. Donc, j'espère que vous avez bien aimé version améliorée complète de Wrestle Kingdom 1, 2 et 3. Alors, vu comment j'en ai fini là. Je sais bien que j'ai vu ça pour Wrestle Kingdom 1. Je lui avais mis un 4, pour le 2 pareil, et pour le 3 aussi. Ouais, je crois que pour les 3 là, je les mets tous les 2 4. Donc soit le 1, 2 et 3. Donc ce serait tous les 2 4. Pour match, petit bonus, je crois. Petit scènement aussi, et l'ensemble. Donc voilà, c'est tout dit. Donc j'espère que vous avez bien aimé cette review qui n'a pas, je pense, qui n'a pas souffert d'images qui se dégradent. Donc en tout cas, j'irai voir ça. Donc si cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Like la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus les fans de catch.